À Saint-Élie-de-Caxton, le temps funambule finissait d'user son fil. Tranquillement. Ben, je pense qu'on s'en est parlé sur le film en disant, bon, peut-être qu'il y aura un autre conte. J'y pense. Bon, la sorcière, il s'est mis ça. Il hésitait à ce moment-là. Et puis, pas trop longtemps après, hein, je pense, Fred a dit, ah, l'homme fort. Ce serait bien si on regardait le conte de l'homme fort. L'homme fort étant Essimissac. Et ça s'appelait son conte Une odeur de muscle. Comme une odeur de muscle. Comme une odeur de muscle, voilà. Alors, on est parti de ça. Puis Fred a dit, oui, ça m'inspire. J'ai envie d'écrire un film à partir de ce conte-là. Puis on a parlé avec, évidemment, Luc. Puis on a développé ça ensemble. Le casse-tête qu'on a, les personnages sont là, c'est l'univers de Fred. C'est d'arriver à réunir cette somme de talents-là dans le même horaire. Et puis, quand c'est le temps de tourner, parce que c'est comme c'est des gens très talentueux, bien, c'est des gens très occupés. Alors, dans ce sens-là, ça devient un casse-tête. Mais pour le reste, c'est la même logistique que pour un peu un film comme Séraphin, un homme et son péché, où on tourne à l'extérieur de Montréal, on est à la campagne, on a dit ça d'ailleurs, mais bon, bref, c'est ça. Donc c'est pas, c'est de réunir tout le monde ensemble qui est difficile. Le gros défi, je pense que c'était d'arriver à dépasser Babine, aller plus loin que Babine, de faire un autre conte qui n'est pas la suite de Babine, qui est un univers en soi, et de ne pas se répéter, puis de faire mieux, quoi. Ouais, ben. Oui, parce que, bon, on demeure dans l'univers des contes. On travaille avec les deux, même la même équipe, c'est-à-dire Luc et Fred. On fait une autre histoire. On peut pas dire, bon, ça a tellement bien été Babine, ça va être stressant. C'est toujours ça. Chaque projet a son lot de questionnements et de stress. Mais il faut pas non plus dramatiser. Il faut prendre les choses une à une. Issimissac, c'était un univers différent, fait différemment, au lieu d'être en studio, tourné à l'extérieur. Et chaque étape de préparation du film se fait en travaillant fort, puis avec des gens et une équipe formidable. Hein? Quelques post-clés qu'on avait changé quand même, parce qu'on voulait justement aller plus loin au niveau du look, au niveau de certaines choses, mais autrement, c'est pas mal la même équipe. Ben oui, je pense que il y a un message de solidarité, ça c'est certain. Dans tous les films, pas tous les films, mais la plupart des films, tant qu'à faire quelque chose, disons, communiquons quelque chose au monde. Il ne faut pas que ça soit souligné en noir et blanc. On peut le faire par l'humour, on peut le faire par...